بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. On avait commencé il y a quelque temps l'étude des fondements de certains groupes égarés anciens et contemporains. Et aujourd'hui, bi'idhnillah azza wa jal, on continue. Wa'alam anna mitla hadhihi ad-dirasat, ces études sur les égarés ou sur les groupes égarés, ça fait partie de la voie des salaf. كما قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: كانت أسلافكم تشتد عليهم ألسنتهم، أي على أهل البدع والأهواء، وتشمئز منهم قلوبهم، ويحذرون الناس بدعتهم. هكذا إذا السلف أنهم ي parlaient sur les égarés bien sûr بعلم، وتشمئز منهم قلوبهم، et ils détestaient Allah par rapport à leurs égarements. وَيُحَذِّرُونَ النَّاسِ بِدْعَتَهُمْ، ils mettaient en garde المسلمون. فهذا سمين النصيحة، سمين البيان، ça fait partie du conseil. كذلك c'est pour montrer la vérité aux ignorants. فكمن الناس لا يعلمون من هذه الفرق شيئا، ils ne connaissent pas ces groupes égarés, leurs fondements، leur ruse، مكرهم وخداعهم. فعلى صاحب العلم، celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala il lui a facilité la compréhension، et كذلك de revenir au savant في هذا الباب، فالواجب عليه، c'est une obligation de montrer aux autres. الدين النصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Et aujourd'hui on reprend cette étude avec un nouveau groupe parmi les sectes contemporaines. وهذه الفرقة هي جماعة التبليغ. Et كذلك ils se font appeler جماعة الأحباب. أما هذه الجماعة، ce groupe، c'est un groupe contemporain qui est apparu il y a quelques années, le siècle dernier. Et المؤسس، celui qui a fondé ce groupe، c'était محمد إلياس بن محمد بن إسماعيل الكندهلوي الديوبندي الجشتي، المولود سنة 1303. فمحمد إلياس، le fondateur de ce groupe égaré، il est né en 1303 في الهند، en Inde. Et الكندهلوي c'est نسبة إلى قرية، أي c'était son village d'origine في الهند. أما قولهم الديوبندي نسبة إلى ديوبند، c'est une مدرسة معروفة مشهورة في الهند qui propage المذهب الحنفي، c'est une مدرسة qui suit aveuglément هذا المذهب. فمحمد إلياس il avait étudié dans cette école. والجشتي c'est نسبة إلى الطريقة الصوفية الجشتية، c'est une confrérie parmi les طرق de الصوفية الضلال. Et هذا الرجل faisait partie de cette confrérie. فهذا ça nous montre أن هذه الفرقة أصلها، ce groupe، le fondateur، c'était un صوفي. Et كذلك c'était un متعصب للمذهب الحنفي. Qu'est-ce que tu vas attendre de ce genre de personne من الخير ومن العلم؟ أنه c'était un ignorant. Et كذلك c'était un متعصب للمذهب الحنفي. Et كذلك c'était un صوفي. Qui exagérait sur les tombes ila akhir kama sayati insha Allah ta'ala. Wa qala Muhammad Ilyas hada fi kitab Mawlana Ilyas. Et par rapport aux références, on va citer pour chaque parole bi idnillah azza wa jal les références. Et à la fin de hada al bahth, à la fin de cette recherche, à la fin de ce cours, on essaiera de citer des références importantes
pour celui qui veut approfondir le sujet, et كذلك pour celui qui veut avoir ses références de هؤلاء et leurs paroles dans quel livre, إلى آخره. فقال أمرت بالقيام بهذا الأمر أثناء إقامتي بالمدينة المنورة وقيل لي سوف تستعمل نكلفك بعمل. هذا الرجل كنت إليت في المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم il a informé أنه il a vu dans un rêve que une mission elle allait lui être confiée. سوف نستعملك نكلفك بعمل أي tu vas être chargé d'une affaire très très importante. قال الشيخ العلامة حمود التويجري رحمه الله في كتابه النفيس القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ. Et ce kitab, c'est une référence, si ce n'est la référence fi هذا الباب. Aïe, une des meilleures réfutations, si ce n'est la meilleure et la plus détaillée, c'est celle de Cheikh Hamoud, rahmatullah alayhi, al-qawl al-balir. فقال رحمه الله dans ce livre, ففي هذه الجملة التلويح بأنه قد أوحي إليه بالقيام بالتبليغ. صحيح, مثل هذا الكلام, أنه il a vu en rêve, أنه il allait être chargé d'une mission إلى آخره. كأنه il a reçu la révélation. Et هذا c'est très très grave. قال ولا شك أن هذا من وحي الشيطان إليه. Il n'y a aucun doute. أنه c'est un شيطان. من الشياطين qui lui est apparu dans ce cauchemar et qui lui a fait croire أنه il allait recevoir une chose très très importante qu'il doit propager. قال فأما وحي الرحمن إلى الأنبياء فإنه قد انقطع عن الأرض بموت النبي صلى الله عليه وسلم. Et ça c'est عقيدته chaque مسلم. أن la révélation elle a été interrompue avec la mort du prophète عليه الصلاة والسلام. أما les rêves, c'est pas une source pour pouvoir appliquer notre dîn, encore plus pour légiférer quelque chose. فcelui qui légifère c'est Allah سبحانه وتعالى. أو son messager صلى الله عليه وسلم de son vivant. أما هذا الخرافي الكذاب الأشر il a fait ce rêve ثم il a pensé il a cru qu'il avait cette mission à propager فإلا fondé ce groupe égaré. وقال محمد أسلم وكان يقول الشيخ إلياس محمد أسلم سيأتي معنا son livre c'est كذلك une référence أنه connaissait très très bien هؤلاء الطلال. قال وكان يقول الشيخ إلياس إني إذا كنت أذكر كنت أحس ثقلا. كذلك محمد إلياس il a informé أنه à cette période quand il faisait du zikr il ressentait de la lourdeur dans sa langue. قال فلما قلت للشيخ الكنكوهي فترعد وقال شك هذه الشكوى محمد قاسم الى حاج امداد الله. هما ils ont informé un autre cheikh ان محمد الياس ressentait cette chose. فقال الشيخ امداد الله لمريده محمد قاسم هذا الشيخ الى informé son élève بقوله ان هذا فيضان النبوه على قلبك وهذا الثقل الذي كان يحسه النبي صلى الله عليه وسلم وقت الوحي فيستخدمك الله بعمل كان يفعله الأنبياء. انظر على كلام خطير أن هذا المنحرف هذا الشيخ الصوفي il les a informés أن ce que محمد إلياس ressent c'est exactement ce que notre prophète محمد عليه الصلاة والسلام il ressentait quand il recevait la révélation. ثم il a informé أن محمد إلياس il allait recevoir une chose importante qu'il devait propager ila akhir. قال الشيخ حمود رحمه الله après avoir rapporté ces paroles في القول البليع وهذا الجواب من إمداد الله لتلميذه صريح في دعواه النبوة له. Tu ne trouveras pas plus clair dans la prétention de que un tel il a reçu la révélation من هذا الكلام. قال الشيخ حمود وهذه زلة خطيرة. C'est un égarement très très grave. بل مثل هذا العلماء يعدونه من الكفر من الكفريات. Pourquoi? لأن la révélation elle a été interrompue après le prophète عليه الصلاة والسلام. Mais celui qui prétend recevoir la révélation c'est qui prétend être prophète. Et هذا c'est très très grave. وقال كذلك محمد إلياس dans كتاب ملفوظات إلياس ils ont rassemblé certaines de ses paroles.
اكتشفت على هذه الطريقة للتبليغ وألقي في روعي، الروع بالضمس القلب أي في قلبي، في المنام تفسير الآية. ففي هذا النقل il a clarifié comment il a fondé cette secte. فقال donc il a vu en rêve تفسير قوله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقال أنك أخرجت للناس مثل الأنبياء. فهكذا قال أنه il devait sortir, montrer aux gens comme les prophètes ils ont fait. وقال كذلك في كتاب مكاتب إلياس، نعم مكاتب إلياس، إذا لم يرد الله أن يقوم أحد بعمل فلا يمكن حتى الأنبياء أن يبذلوا جهودهم فيقومون للناس، وإذا أراد الله شيئا يقوم أمثالكم الضعفاء بالعمل الذي لم يستطع الأنبياء. هذا كذلك سان نقل خطير أنه il a prétendu أن si Allah سبحانه وتعالى il veut فالسختان d'entre eux parmi eux et lui et ses suiveurs alors ils peuvent faire certaines choses que même les prophètes ils n'ont pas réussi à faire. هذا طعن في الأنبياء. هذه سان critique claire. Et كذلك avec les autres récits, ça montre un rajul qu'annahu il pensait annahu il a reçu la révélation et il devait propager. Si tu as compris ça, tu comprendras inshallah ta'ala an ce groupe il a été fondé sur al-khurafa, sur des récits mensongers et sur le faux depuis le premier jour. Et هذا الرجل il a fondé ce groupe pour soi-disant propager. فلهذا leur principal fondement كما سيأتي معنا c'est الخروج في سبيل الله كما يزعمون أي le fait de propager la bonne parole. أما رؤوس الجماعة أي leur guide فمحمد إلياس le fondateur et on vient de citer certaines de ses paroles très très graves. كذلك son fils après lui qui est devenu Al-Amir est le chef de cette secte, leur guide suprême, Mohamed Youssef ibn Mohamed Ilyas, le fils de Mohamed Ilyas. Et هكذا Mohamed Zakaria Al-Kandahlawi et c'est son neveu ibn Akhi al-Mu'assis. Et هكذا Abu al-Hasan al-Nadwi et il est معروف مشهور من الضلال. Et كذلك un de leurs derniers guides qui est mort il y a quelques années, In'am Ihsan. Et d'autres à notre époque, min ha'oula al-tullal. Qala l'imam al-Albani rahimahullahu ta'ala, kama fi sharit al-fatawa al-imaratiya, da'watu al-tabliq, soufiyatun asriya, la taqoum ala kitabillah, wa ala sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadhihi c'est une khulasa tayyiba. I'lam anna ce groupe, c'est une branche parmi les branches des groupes de As-Soufiyya. Du groupe plutôt As-Soufiyya. Da'watu al-Tabliq, Soufiyyatun Asriya. Ay, c'est un groupe soufi, lakin qui est apparu à notre époque. Avec un usloub différent, avec des manières de faire différentes. Avec des innovations différentes, lakin la base, c'est la même. Limada. لماذا الشيخ الألباني رحمه الله جزم بذلك إلى أفرمي avec certitude بهذا لأنه connaissait رحمة الله عليه le fondateur محمد إلياس et comment ce groupe il a commencé. Ce groupe il a été fondé par ضلال من الصوفية. C'est pour ça que n'est aucun doute أن هذه الجماعة c'est des صوفية. Et avec هذا البيان qu'on va lire بتوفيق الله عز وجل tu verras هذا clairement. فصدق رحمه الله فأسست الجماعة على الخرافة ونشر البدع من أول يوم. أن ce groupe il a été fondé sur le khurafa, sur un rêve. Alors que notre dîn on se base pas sur les rêves, on se base sur le Coran ou le Sunna. Depuis le premier jour. كذلك depuis l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام jusqu'à la venue de هذا الدجال الزائر محمد إلياس الكذاب. Est-ce que le haqq, il n'était plus présent? Est-ce que tous ceux
qui ont connu l'islam avant cette époque, ils n'étaient pas à l'aljadda, ils n'étaient pas sur le droit chemin. Là, ça nous montre, là, tout ce qui est nouveau dans notre dîn, c'est min al-bida. Notre dîn, on n'a pas besoin d'inventer, on n'a pas besoin de se reposer, de se baser sur des rêves. En tant que musulmans, on a le Coran, kalamullah azza wa jal, on a sunna, sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on a la voix des salafs, la voix des sahabes radiyallahu anhum. Vous verrez que en ayant délaissé cette voie, ils se sont égarés fi bab al-aqida dans la croyance. Ils se sont égarés fi tawhid. Ils se sont égarés fi al-ibada et ils se sont égarés كذلك fi as-suluk wal akhlaq. Wa qala al-shaykh al-allama Abd al-Razzaq Afifi rahimahullah ta'ala kama fi majmou' al-fatawa wal-rasa'il li-shaykh Abd al-Razzaq rahimahullah al-waqi' annahum mubtaji'a محرفون وأصحاب طرق قادرية وغيرها. نعم. دونك هؤلاء سي ان جروب في الحقيقة ان جروب parmi الصوفية لكن سي ان جروب contemporain اي كما قال رحمه الله وسيأتي معنا انهم ils ont fait البيعة ils ont prêté allégeance comme الصوفي il faisait اي sur ces confréries qu'on citera ensemble inshallah. وقال إنعام إحسان هذا من رؤوسهم بل سيد لور أمير إليا كيلكو زاني في رسالة إقام نعم على رسالة سعد الحصي نعم أنه إلى ريبوندو أ أون رسالة إلى ريبوندو أ الشيخ سعد الحصي كي أفي ريفوتي هؤلاء هو إلى ريبوندو قال إن البيعة في الطرق الصوفية رائدة منتشرة في شبه القارة الهندية. نعم، ce groupe il a apparu en Inde. البيعة, le fait de prêter allégeance comme ils font à Soufi, en se conformant à la voie de certaines confréries et en suivant le shir, قال والواقع أننا إن لم نبيع هؤلاء الذين يصرون علينا لذلك فإنها حتما سيبايعون غيرنا. هذا سنص واضح أنهم Ils font al-bay'a comme ils font al-soufiya. Et quatre turuq, comme a dit al-bay'a fi turuq al-soufiya ra'ya muntashira ila akhirih. Al-ulama, ils ont cité des autres nuqulat, c'était à la quatre turuq, quatre confréries. Al-jishtiya, al-qadiriya, al-sahrawandiya, al-naqshbandiya. Comme a bayyana al-sheikh Hamoud, rahimahullah, fi al-qawl al-baliya. Wa qala sayyid al-talib al-rahman, dans son livre Jama'atu al-Tabligh fi Shibh al-Qara al-Hindiyya amma afradu jama'atihim min al-ajam fa innahum yubay'un ala hadhihi al-turuq al-arba'a bidun tahaffud hadha an-naql qu'on recherche on l'avait cité juste après amma al-a'ajim ay les noms arabes lianna hadhihi al-jama'a leur guide ils ont du makre ils se comportent pas avec leurs suiveurs parmi les arabophones ou les arabes comme avec l'A'ajim. Mathalan, ceux qui viennent d'Inde, du Pakistan, d'Asie, etc. Limada, li anna al-jahl li akthar fihim. Al-Arab, ils ont, en général, plus de ilm, ils ont plus de facilité à comprendre. Limada, li annahum, ils ont cette langue, qui est miftah al-ulum, qui est la clé pour comprendre le Coran ou le Sunnah. Amma al-Arab, ils leur font pas faire cette bay'a. Et prêter allégeance comme ils font soufiya. Amma qal wa amma afrad jama'atihim min al-ajam fa innahum yubay'un ala hadhihi al-turuq al-arba'a bidun tahaffud wa amma al-arab fa innahum yutahaffad minhum wa la yubay' illa man wuthiqa bihi min as-suddaj alladhina yuhsinun adh-dhann bit-tablighiyyin. Amma al-arab font attention. Si ils ont confiance en lui et c'est un ancien et il est muta'assib, il les suit aveuglément et l'akhir. Il fera cette bi'a ma'ahum. Amma si c'est un autre, matalan, un nouveau, ils n'ont pas encore confiance en lui, ils ne lui montreront pas ces choses. As-sirriya, le fait de cacher certaines choses, ça ne fait pas partie de notre din. Notre din, wallahi alhamd, il est clair. Notre din, c'est une rahma, c'est une miséricorde pour les arabes, pour les non-arabes. Amma, quand une jama'a, un groupe de personnes, ils commencent à cacher certaines choses, هذا سامونتخ أنهم كما قال بعض الأئمة أنهم يسون على أساس بدعة وضلال وإلا فالحق والله الحمد لله كلام. أما أصول هذه الجماعة ف on va
Inch'Allah, les détails qalilan, lakin qabla dhalik, on peut le citer bil jumla, kama qala Khalil as-Sahar Nouri, ahad kibar juhalihim, une de leurs têtes, un de leurs guides, qala inna alhamdulillah wa mashayikhuna wa jami'u ta'ifatina muqallidun lil imam Abi Hanifa fil furu'. ومتبعون لأبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي في العقيدة منتسبون إلى الطرق الأربعة الصوفية العليا. إلى لخص لفوندمون دو لور جروب. قال إن الحمد لله ومشايخنا إلى آخره مقلدون للإمام أبي حنيفة في الفروع. هؤلاء دي جهال دي زينيورون. فيعترف أنهم يسويف أفوغليمون الإمام أبو حنيفة دون الفروع أي دون الفقه. Et في الحقيقة, même dans الفقه, bien sûr, يخالفون القرآن, يخالفون السنة, et dans beaucoup de choses, يخالفون même المذهب الحنفي. القوم, c'est des ignorants et ils suivent leur passion. C'est par rapport à المصالح. Un jour, ils peuvent faire une chose, le lendemain, ils la délaissent pour une autre chose. وعلى كل حال, même si on قدر qu'ils suivent المذهب الحنفي, فهذا لا يجوز. Vous avez remarqué que dans son... Dans sa parole, en aucun cas il a cité Al-Qur'an ou Sunna. Il a cité Vilfuru' dans le fait qu'ils suivent Abu Hanifa. Aveuglément. Yuqallidoun. Thumma qal, wa muttabi'oun li Abi al-Hasan al-Ash'ari wa Abi Mansour al-Maturidi fil-Aqida. Fil-Aqida, ils suivent Madhab al-Ash'ari wa al-Maturidi. C'est des groupes égarés. Oula yuharrifouna. صفات الله يحرفون صفات الله عز وجل كما نتدي en ce moment والله الحمد ensemble في تقريب التدمورية قال منتسب إلى الطرق الأربعة الصوفية العليا هذا نقل كذلك صريح أنهم يسويف ces quatre voies ces quatre confréries de الصوفية ولله الحمد dans cette série تقدم معنا بيان انحراف هذه الفرق أي الأشاعرة وهكذا الصوفية ولله الحمد والمنة فهنا on détaillera pas bien sûr leurs égarements dans باب العقيدة dans ces points لأنه on l'a déjà fait ولله الحمد وهذه الجماعة elle est fondée sur الصفات الست كما يقولون وبعضهم يقول الأصول الست six fondements قال الأستاذ سيف الرحمن كما نقل الشيخ حمود دون القول البليغ رحمه الله تعالى إن الشيخ إلياس عمد لحركته التبليغية ستة أصول ومن جهة أخرى حصل من شيخه شيخ طريق أشرف علي التهانوي شيئا من مدارسة وإشارة والتخطيط وكيفية والتطبيق فسنمضح أن هذه الصفات الست qui sont collés عند التبليغ qu'on va citer ensemble inshallah Mohamed Elias il a pris ces six fondements عند شيخه الصوفي ça ça nous montre أن هذه الطريقة cette secte ce groupe c'est un groupe صوفي n'est aucun doute في هذا قال فجعل هذه الأصول الست محورا لدعوته ومركزا لحركته ومبدأ لنشاطه ومرجعا لقائمته leur دين leur groupe il est fondé sur ces six fondements la غير on peut se poser une question أين أصول دعوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام les cinq piliers de l'islam les six piliers de la foi وهكذا الأصول العظيمة dans التوحيد dans العقيدة tout ce qui concerne l'ibadat ou le mu'amalat, les adorations, les comportements. Aïe, le Coran ou le Sunna, valihada, au sol, le mu'min, ses fondements, ses sources, c'est le Coran ou le Sunna. Thumma, le Coran ou le Sunna, ou le Alhamd, il y a des fondements clairs, comme les cinq piliers de l'islam, les six piliers de la foi, il a akhri. Amma, le Qawm, khtara'u, ils ont inventé ces sous-sivats, et leur vie, que ce soit leur aqida ou leur ibadat ou leur comportement, tout est fondé sur ces sous-sifat. فَلَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا أَبَدًا
مع أن ست صفات كوم اون فيغا انصومبل إن شاء الله فيها ما فيها من الانحراف والجهل. قال رحمه الله: أي أنه كان قرر أن يجعل دعوته مقصورة على هذه الأصول الستة، وقرر قرارا باتا أنه لا يدعو إلا إليها. دونك لو دعوة va se résumer à ces six صفات، ces six caractéristiques، ces six points، ces six fondements. قال: أن لا يدعو إلا إليها أو أمثالها من الإجماعيات دون الخلافيات والأصول الستة كالآتي. كذلك هذا c'est un point important. اعلم أن parmi les fondements de جماعة التبليغ أنهم ils ne parlent jamais des choses où il y a خلاف. Et كذلك ils ne parlent jamais des choses qui pour eux ça peut faire fuir. حتى mettre en garde contre الشرك. C'est un fondement de notre deen. أنهم jamais tu les entendras mettre en garde contre le shirk. Même s'ils voient واحد ربما يعبد غير الله عز وجل devant eux, لا يتكلمون لماذا لأنهم pour eux ça fait fuir. Ils appellent combien. Mais le fait de repousser le mal ça peut diviser, donc ils se taisent. قال والأصول الستة كالآتي. Les six صفات ou les six نعم الصفات الستة ou les six fondements de جماعة التبليغ. Le premier c'est تحقيق الكلمة الطيبة. أي لا إله إلا الله. Le premier point concerne la shahada. Le deuxième point, الصلاة ذات الخشوع والخضوع. Le deuxième point concerne la salah. Le troisième point, العلم مع الذكر. La science et الذكر. Le rappel d'Allah عز وجل. Le quatrième point, إلزام أو إكرام المسلمين. إكرام المسلمين. أي le fait de faire du bien envers ton frère musulman. Le cinquième point, تصحيح النية وإخلاصها, à corriger son intention. Le sixième point, الخروج في سبيل الله, le fait de sortir في سبيل الله, de voyager pour faire da'wah, pour prêcher la bonne parole. انتهى كلامه بتصرف يسير. On a résumé et on a simplifié certaines كلمات. ونقل العلامة الشيخ تويجري رحمه الله تعالى عن الشرقاوي dans son livre القول البليع أنه قال في بحثه عن الصفات الست: وهذه الصفات كل تبليغي انتظم مع الجماعة لابد أن يعرفها ويذكرها ويتذكرها ويتمرن على الخطابة بها. شك تبليغي يدوى كونت هذه الصفات الست. La première chose qu'ils font quand واحد يرانتخ dans leur جماعة, quand il les suit, il lui apprenne هذه الصفات الست. Il doit les connaître par cœur, il doit apprendre à faire leur bayan, leur bid'a, quand واحد parmi eux se lève au masjid et prêche la bonne parole, كما يزعمون. Il cite هذه الصفات الست. Premièrement, le kalima al-tayyiba, ثم il donne une brève explication, وهكذا, les six points. قال, ويدعو الناس إلى العمل بها ويعرفهم معانيها. فسي leur دين. Leur دين, il est fondé sur هذا. Sur ces six piliers, ces six fondements. أما الصفة الأولى, le premier fondement parmi les six fondements de جماعة التبليغ, تحقيق الكلمة الطيبة. Et هنا ننبه أنه لا ينبغي أن المؤمن يغتر بمجرد الألفاظ. لأن en apparence وكثير من المسلمين اغتروا بهذه الجماعة. لماذا؟ لأنهم en apparence ils disent du bien. مثلا ces six piliers, ces six fondements, en apparence c'est du bien, التوحيد والصلاة والعلم وإكرام المسلمين. لكن pour connaître un groupe il ne faut pas regarder فقط اللفظ. لأن tout le monde prétend faire du bien. Il faut regarder حقيقة هذا اللفظ et qu'est-ce qu'il renferme et à quoi ils appellent vraiment. فلهذا هذه الجماعة au début, خاصة dans les années 90, il y a une trentaine d'années, ils avaient un achat kabir et beaucoup de gens ils les ont suivis. Les malades, l'ilm il n'était pas encore propagé dans certains endroits, maintenant en Europe, etc. Et beaucoup de gens ils étaient ignorants ou agtarru bimitla hadhihi al-usul. Et ils ont pensé que haoula ils appelaient vraiment à la vérité. C'est pour ça que beaucoup, walillahi alhamd, ils les ont délaissés après avoir voyager avec eux, rester un moment avec eux, كثير من الناس, ils les ont délaissés. Enfin, on revient à la première صفة, تحقيق الكلمة الطيبة.
فتحقيق لا إله إلا الله عندهم أي le sens de la ilaha illallah عندهم c'est إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله سبحانه وتعالى. أنهم اخترعوا هذا التفسير, ils ont inventé cette explication. فهم في الحقيقة يفسرون هذه الشهادة العظيمة بتوحيد الربوبية. Et comme a bien les ulama, c'est pas suffisant. Fahum yaqulun anna ma'na la ilaha illallah, ça veut dire quoi? La ilaha illallah, quand on prononce cette kalima, ça veut dire la khaliqa illallah. Ça veut dire la raziqa illallah. Ça veut dire la ma'bouda illallah. Ta'ammal. Amma qawluhum la khaliqa illallah wa la raziqa illallah. Hada la shak annahu c'est sahih que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le seul créateur. C'est lui qui donne il a akhiré. Lakin expliquer la ilaha illallah par هذه المعاني c'est min al jahl. لأن كفار قريش ils ont reconnu هذا. Même s'ils ont eu des égarements dans tawhid rububiyya, lakin bil jumla ils l'ont reconnu. ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. Ils diront Allah. Iblis كذلك il a reconnu هذا. خلقتني من نار. Iblis il a jamais prétendu que c'était le créateur. Là, lakin harafou fil ibada, ils ont pas voulu adorer Allah subhanahu wa ta'ala ou ils lui ont donné des associés. Falihada, le ma'na sahiha, c'est de montrer aux gens que hadhihi shahada, ça implique d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et celui qui adore autre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un mushrik, même s'il prononce cette parole. Amma qawluhum la ma'bouda illallah. فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال ولقد ألف بعض أفراد جماعة التبليغ رسالة لما جاء يشرح كلمة لا إله إلا الله فسرها بقوله لا معبود إلا الله. الشيخ الألباني رحمه الله informé أن بعض التبليغيين ils ont écrit une رسالة et dans cette رسالة ils ont expliqué لا إله إلا الله avec cette explication لا معبود إلا الله. Si on traduit, hey, personne n'est adoré excepté Allah. قال الشيخ الألباني رحمه الله كيف لا معبود إلا الله والمعبودات كثيرة جدا. هذا سان تفسير خطير وبعض الناس لا ينتبهون ils voient pas la gravité. Si on dit personne n'est adoré autre que Allah سبحانه وتعالى c'est totalement faux. بعض الناس ils adorent des tombes, بعض الناس ils adorent عيسى, بعض الناس ils adorent des شياطين, بعض الناس ils adorent des animaux إلى آخره. On doit dire لا معبود حق أو بحق إلا الله عز وجل. أما personne n'est adoré sauf Allah أو plutôt لا معبود نعم لا معبود إلا الله أي tout ce qui est adoré c'est Allah أو personne n'est adoré sauf Allah. هذا c'est faux. Il y en a d'autres qui sont adorés من دون الله, des autres divinités بالباطل. On est obligé de préciser هنا ومن من جهل هذه الجماعة أنهم ils ont expliqué الشهادة بهذه التفسيرات الباطلة. اي سو بوان كذلك اون لا ديتاي والله الحمد دون كتب التوحيد. ومن هنا ذكر بعض اهل العلم ان مشايخ التبليغيين الصوفية فالحقيقة هم كونت از اكسبليك لا اله الا الله بهذا الكلام اخراج اليقين الفاسد من القلب وادخال اليقين الصحيح على ذات الله. سافيدير كوا سافيدير كو في السورتير اليقين الفاسد أي les mauvaises choses de ton cœur et tu fais rentrer اليقين الصحيح, tu fais rentrer la véritable certitude dans ton cœur. Ça veut dire quoi هذا؟ بعض العلماء ils ont démontré أن هذا في الحقيقة c'est دعوة إلى وحدة الوجود. Et ça c'est من عقائد الصوفية comme on a montré auparavant ولله الحمد أنهم يعتقدون أن الله il est partout. بل بعضهم يعتقد أن tout ce que tu vois, tu entends, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de différence entre les créateurs et la créature. فلهذا قال محمد زكريا الكندهلوي, et c'est من شيوخهم, il fait partie de leur guide, dans son livre Tablighi Nisab, c'est une référence pour eux. إن الحق سبحانه منبع في الواقع لكل حسن وجمال. تأمل هذا الكلام. يقول إن الحق سبحانه, et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la source منبع في الواقع لكل حسن وجمال. De toutes les bonnes choses et de toutes les belles choses. قال والحق أنه لا يوجد في الكون جمال سواه. فصرح هنا. قال والحق أي en vérité, tout
tout ce que tu vois de beau, annahu la yujad fil kawn jamal, et toutes les choses qui sont belles dans cet univers, c'est Allah, c'est pas autre que lui. هذه دعوة صريحة إلى عقيدة وحدة الوجود. فتو تخوغا التبليغيين même si بعضهم يكونش pas مثل هذا الكلام, إما ils expliquent الشهادة على توحيد الربوبية فقط avec معنى توحيد الربوبية, أي il n'y a pas de créateur sauf Allah, et on a vu que هذا c'était pas suffisant. إما et هذا c'est واقع في رؤوسهم, أي الصوفية parmi leurs guides, أنهم leur but c'était de propager هذه العقيدة الباطلة في المسلمين. حتى le fait de dire لا إله إلا الله, et tout ce que tu vois c'est Allah, عقيدة وحدة الوجود. وراجع pour celui qui veut détailler هذه المسألة كلام العلامة الشيخ النجمي رحمه الله تعالى dans son livre المورد العذب الزلال, il a réfuté هذه الجماعة, ce groupe égaré, et il a traité ce point أي في التوحيد. وقال الشيخ حمود رحمه الله تعالى في القول البليغ, وإذا علم هذا فليعلم أيضا أن التبليغيين قد تمسكوا بمجرد التلفظ بشهادة أن لا إله إلا الله مع تركهم التصريح بالكفر بالطاغوت. لماذا؟ لأنه ça fait partie de leur fondement, أنهم c'est une kalima qui disent avec leur langue et qui propagent كذلك, ça fait partie de leur fondement. Il faut dire la ilaha illallah, lakin ça s'arrête là. Amma, le fait de mettre en garde contre shirk, si on dit la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ça implique qu'on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et mécroire, détester ceux qui adorent autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Fahum la yatakallamun an hada abadan. Eux, ils ne parlent pas de cette deuxième partie. قال الشيخ حمود ومنعهم أتبعهم من التصريح بالكفر به, نعم أي بالطاغوت, وجعلهم المنع من التصريح بالكفر به أصلا من أصولهم التي يدعو الناس إليها, يدعون الناس إليها. أي le fait, هذا ça fait partie de leur fondement, leur منهج, leur voie, c'est de ne surtout pas parler d'une chose qui peut diviser. فَلِهَذَا التَّبْلِغِيُونَ, quand مثلاً ils arrivent pendant le khuruj dans un masjid de soufi, أبداً ils mettront en garde contre bid'a soufiya. Il y en a eux-mêmes, ils suivent un soufiya. Quand ils rencontrent مثلاً des autres groupes égarés fil aqida, ils ne parlent pas. Même ils voient des awamin al-muslimin faire des mauvaises choses, ils ne parlent pas. Ils appellent qu'au bien. Et ça c'est un naqs kabir. النبي صلى الله عليه وسلم il a montré le bien, il a mis en garde contre le mal, et c'est ça دعوة جميع الأنبياء. لأن pour montrer le bien, t'es obligé de mettre en garde contre le mal. فمثلا une personne elle accepte l'islam, لكن il veut pas délaisser l'adoration d'autre que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que son islam il sera accepté? أبدا. لماذا؟ لأن شهادة أن لا إله إلا الله, pour qu'elle soit acceptée, il faut accepter et croire que celui qui mérite l'adoration, c'est Allah seul, et délaisser le shirk. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah il ne pardonne pas le shirk. Wa man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-janna. Allah subhanahu wa ta'ala il ne fait pas rentrer au paradis al-mushrik, celui qui meurt ala shirk al-akbar. Tu trouves haoula al-juhal, leur da'wa, elle délaisse tout cela. Limadha? Li anna c'est une da'wa fi sabil iblis. C'est pas une da'wa fi sabil illah. Et certains ignorants n'khada'u biha oula. Wa illa fa al-haq il est wadih wa lillahi alhamd. Thumma qala ay Cheikh Hamoud dhakara dhalik Saif ar-Rahman anna min usul at-tabligiyin ta'til jami' an-nusus al-warida fi al-kitab wa al-sunnah bi sadr al-kufr bi-t-ta'ghut wa bi sadr an-nahy 'an al-munkar ta'tilan batan. Wa hadha هذا الشيخ سيف الرحمن il connaissait très très bien cette jama'a. Il a écrit un livre pour les réfuter, et هنا il a informé أن من أصولهم تعطيل جميع النصوص الواردة. Tous les textes où il y a une mise en garde contre الشرك, contre la mécréance et l'akhiré, ils n'en parlent pas. C'est pour ça que vous avez remarqué qu'ils appellent qu'à des choses où personne ne les contredit. فَلِهَذَا اغْتَرَّ النَّاسِ بِهِمْ au départ. لكن avec juhud, ahl al-ilm, et les mises en garde, فَكَتِلُوا مِنَ النَّاسِ, ils les ont délaissés, وَلِلَّهِ الْحَمْدِ.
قال الشيخ حمود رحمه الله: وعلى هذا فإن تعلقهم بالكلمة الطيبة وجعلهم إياها أصلا من أصولهم الستة يكون مجرد دعوة لا حاصل لها. Le fait d'avoir cité comme fondement et le premier الكلمة الطيبة, ne crois pas que c'est التوحيد auquel les prophètes et les messagers ils ont appelé. التوحيد pour lequel أئمة التوحيد من الصحابة رضي الله عنهم jusqu'à aujourd'hui ils ont fait beaucoup de sacrifices. Là, هذا c'est autre chose qui est fondée sur la voie des soufis. عيادا بالله. كذلك أخي تأمل موقف رؤوس هذه الجماعة. Ça c'est très très important. فلهذا نبهنا on a fait la remarque أن لا نغتر بالكلام. Tous les égarés là, ils prétendent appeler au bien, appeler à l'islam, appeler au Coran, appeler à se réformer, à se corriger. Lakin, en vrai, si tu veux connaître al-hal, commence par les fondateurs, par les guides. Halouhum, qu'est-ce qu'ils font? Et très très vite, tu t'apercevras de la réalité du groupe. Enfin, maintenant, Mohamed Youssouf, c'est le successeur de son père. Après la mort de Mohamed Elias, c'est lui qui est devenu l'amir. Son fils Mohamed Youssouf, kana yaqul, il disait, kama fi kitab Jama'at al-Tablir, aqidatuha wa afkaru mashayikhiha, qu'est-ce qu'il disait? Inna sahib had al-qabr, ay, shaykhana Mohamed Elias, ay, son père, yuwazzi' al-nour, alladhi yanzil min al-sama fi qabrihi, bayna muridih, hasabi quwwat al-irtibat wa al-ta'alluq bih. Il prétendait à son père qui était mort, qui était enterré. Allah subhanahu wa ta'ala, il faisait descendre de la lumière dans sa tombe et lui, il propageait cette lumière, ce bien, il le propageait. Il le partageait à ses suiveurs par rapport, chacun y recevait par rapport à l'irtibat wa ta'alluq bih, par rapport à le raccrochement à Mohamed Elias qui est mort. كيف التعلق, si on se pose la question, التعلق بالميت, comment ça se fait? Le fait de revenir à un mort. Le mort, il est enterré. عياذا بالله بالتوكل عليه, en plaçant sa confiance, en lui demandant, en espérant. هذا c'est très très grave. Tout cela, c'est من الشرك بالله عز وجل. قال وكذلك كنا نجلس أيضا على قبر الشيخ عبد الرحيم رأي فوري في هيئة المراقبة. Et كذلك محمد يوسف il informait أنهم il restait assis devant la tombe de ce شيخ من الصوفية على هذا الحال. على هذا الحال. الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله dans son livre السراج المنير. كذلك c'est une référence, une رسالة qui est assez courte, très résumée, لكن فيها فوائد كثيرة. Il a répondu, il a montré les égarements de cette secte. قال هذا يسمى في اصطلاع غيرهم من أهل طرائق التصوف استمدادا. ثم قال وهذا الشرك بالله واتخاذ وصائد بين العبد وبين ربه. هذا c'est le shirk. Le fait d'espérer, d'attendre, de rester devant cette tombe et de se mettre dans cet état de concentration, de recueillement, iyadan billah. Tout ça, c'est min al-shirk billah, subhanah. Hada, c'est le fils de Mohamed Elias, du fondateur. Et beaucoup d'autres égarements. Khassatan, on le répète, et il ne faut pas oublier, anna jama'at al-tablir, il s'adapte. Il s'adapte par rapport aux endroits, mathalan. Fa, al-tabliriyoun, qui sont fil hind et au Pakistan, وبعضهم يفون دو الشرك بكل وضوح. بعضهم يعبدون القبور etc. Tu trouveras مثلا التبليغيون qui sont في السعودية en Arabie Saoudite, ils ne peuvent pas faire apparaître هذا. Enfin, ils ne le feront jamais. Et بعض الناس يغتروا. Ils ont rencontré un tabliri qui leur a dit certaines choses et ils pensent que tout le groupe il est comme cela. لا. نحن on étudie le groupe. On étudie leur fondement. ثم celui qui les suit خاصة après avoir su la vérité et ne les délaisse pas, il fait partie d'eux, il est ma'al jama'a. Le deuxième fondement, as-salatu dhat al-khushu' wal-khudu'. Deuxième fondement concernant as-salat.
أولا، on fait la même remarque qu'on a citée auparavant في الأصل الأول، أي في تحقيق الكلمة الطيبة، أن هذا مجرد كلام. وإلا فاعلم أن مركز هؤلاء الرئيسي qui s'appelle نظام الدين، et il est في عاصمة الهند، أي c'est leur principal مركز، leur principal centre، مسجد، il est à New Delhi، la capitale de l'Inde. فيه أربعة قبور، il y a quatre tombes dans ce masjid, dans leur مركز principal. Et c'est la référence في الخروج، أنهم ils se rassemblent هناك إلى آخره. Et celui qui a voyagé et qui est parti هناك عند التبليغيين، il a un rang élevé. Enfin, ce marquez, il y a quatre tombes. La tombe de Mohamed Ilyas, كذلك la tombe de son fils Mohamed Youssouf, et deux autres tombes. قال الشيخ حمود رحمه الله في القول البليغ: وهذا شبيه بفعل اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم والصالحين مساجد، وقد لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الصنيع. Ça, c'est une ressemblance aux juifs et aux chrétiens. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit les juifs et les chrétiens. لماذا؟ قال لعنت الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam لعنهم. Pourquoi? لأنهم ils ont fait des tombes de leurs prophètes et messagers des masajid. Ça nous montre أنه لا يجتمع في الإسلام قبر ومسجد كما يقول أهل العلم. Dans notre din, les tombes et les masajid, les mosquées, ça ne peut pas se rassembler. Les mosquées, c'est fait pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Les cimetières, les tombes, c'est pour enterrer les morts. Et ça ne se rassemble pas. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. هؤلاء الآن, leur principal marquez, ou qui a leur guide, il a arrêté, c'est la référence, il y a quatre tombes. Enfin, qu'est-ce que tu attends de cette jama'a? Qu'est-ce que tu attends? Illa iyadun billah, il propage le shur wal jahl, l'ignorance et le mal. ثم قال الشيخ حمود رحمه الله: وأخبر أنهم من شرار الخلق عند الله. نعم، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. ونقل محمد أسلم أن محمد إلياس كان يجلس أكثر الأحيان خلف قبر عبد القدوس، أو عبد ال... نعم كان هو عبد القدوس الكنكاوي الكنكوهي، ويصلي بالجماعة هناك. Ils ont rapporté أن محمد إلياس le fondateur il passait du temps vers la tombe de ce cheikh et il faisait avec ses suiveurs salat al-jama'a, la salat en groupe vers cette tombe. Et ça, c'est très très grave. Ça, c'est très très grave pour celui qui a étudié al-tawhid, pour celui qui a étudié l'islam en revenant au Coran et à la sunna. Mais les sentiments, on va dire nas maintenant, tu lui montres que haoula c'est des égarés, la première chose qu'il te dit, mais ils sont gentils, mais ils ont un bon comportement, mais regarde leur fondement, qu'est-ce qu'ils suivent. S'ils ont un bon comportement, pourquoi ils ne délaissent pas هذا الضلال المبين, pourquoi ils ne délaissent pas ces égarements pour revenir et suivre la voie du prophète عليه الصلاة والسلام. فالصلاة عند القبور باطلة فلا تغتر بهذه الأصول الفاشلة. C'est des fondements, c'est que du mensonge, c'est تزويق, c'est pour attirer les gens, ils ont embelli leur secte avec هذه الشعارات. C'est comme des slogans pour attirer. وإلا فالصلاة عند القبور باطلة. Comme les savants, ولله الحمد, ils ont montré en s'appuyant sur beaucoup de preuves. أما هم تأمل, on revient à leur fondement, الصلاة ذات الخشوع والخضوع. أي la صلاة avec le recueillement, avec la concentration. Après avoir étudier les fondements de ce groupe et leur chef. Tu te poses la question, le recueillement pour qui? Pour les tombes? Kadalik, même si la salat elle fait recueillement, si c'est dans un masjid où il y a des tombes, elle n'est pas acceptée, l'insan il n'a pas le droit. Zid ala dhalik, anna al-qawm muta'assibouna li madhhab al-ahnaf, kama taqaddam. Anna haoula, leur voix c'est de suivre madhhab al-abi hanifa dans le fiqh. Même s'il y a des mukhalafat. C'est pour ça que tu trouves haoula, même leur salat, on rentre pas dans leur intention, c'est parce qu'il y a dans leur cœur, mais en apparence, la salat, il y a beaucoup de mukhalafat. Même si tu lui montres, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, matalan, il a ordonné de faire telle chose dans salat, ou il a conseillé, c'est mieux de lever les mains de telle façon, abadan, il écoutera, illa, celui qui est ignorant, et qui aime vraiment la vérité, mais
il s'est fait avoir par haoula. C'est pour ça qu'on ne doit pas désespérer. Et on doit leur montrer le haq. Il y en a barre de shabab, ils les ont suivis, ils ne connaissent pas. Il est sorti de la rue et il pensait vraiment que haoula, ils appelaient à la vérité. Enfin, si tu lui montres, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait telle chose et telle chose, fala'allahu, il acceptera. Amarrous, leur guide. Haoula, yuharibun al-haq wa ahl al-haq. Ils détestent la vérité et ceux qui la propagent. C'est pour ça que tu trouves dans leur salat, ils ont des bid'a kathira. Le troisième fondement, al-ilm wa al-dhikr. Voilà, tadon huna nas al-ilm al-shar'i. Abadan. Al-ilm huna, pour eux, c'est l'ilm bil-fada'il. Aïe, une catégorie. Aïe, l'ilm qui est lié à al-fada'il. Aïe, maintenant, c'est bien de faire telle chose, c'est bien de faire telle chose. Pas ilm al-Qur'an ou al-sunnah. Avec Al-Amr bil-Ma'ruf ou Al-Nahy an il-Munkar, en commençant par Tawhid al-Aqida, etc. Là. Ou al-Dhikr, c'est le fait de faire du Dhikr. Qala al-Ustad, Sayful Rahman, Rahimahullah, fi kitabihi nadratun abira, i'tibariya, hawl jama'at al-Tabliya. Kadalik, c'est une référence. Fiha, wa al-Sheikh Hamoud, Rahimahullah, dans son livre Al-Qawl al-Baligh, c'est le livre qui est beaucoup propagé l'an et c'est la référence. Il a rapporté ces paroles. Et stafada min haoula, il a profité de ces livres de haoula. Khassatan anna haoula kathir minhum, ils vivaient en Inde. Ben, ils étaient origine de hunak et ils connaissaient hadi al-jama'a. Enfin, ils ont cité des témoignages authentiques. Qala anna at-tablighiyyin yahrubuna min al-ilm bil-masa'il wa la siyama al-ilm bil-adilla. Une des choses que At-Tablir il déteste le plus, c'est quand tu lui dis qala Allah qala Rasul et tu lui montres bi ilm. Falihada qala yahrubun, il se sauve, il n'aime pas hada. Qala bal yuharibun al-ilm bil masail wa yuharibun al-ilm bil adilla min al-Qur'an wa min as-Sunnah. Fahum il déteste ce genre de ilm. Ay al-aqida wa at-tawhid, faire telle chose, ne pas faire telle chose, comment faire salat, comment faire siyam. Hum, là ils veulent que ilm al-fada'il. Se comporter avec son voisin. Faire du zikr quand tu rentres au masjid, quand tu sors, hum, ça s'arrête à huna. Qala wa yusammunahu jadalan wa shaghaban wa khisaman. Hada al-ilm qui est fondé sur le Coran et sur Sunna, pour eux c'est de la polémique. Pour eux c'est de la perte de temps. Wa yaqulun inna al-ilm ka hada yusrifu al-insan 'an al-'amal. Kadhalik, ils prétendent que hada al-ilm, si tu passes ton temps à étudier, à apprendre, ça t'écartera de la mise en application. Enfin, pour eux c'est quelque chose qui, c'est une perte de temps. قال ويسمونه كذلك القيل والقال المنهي عن المبطئ عن العمل. وصدق الشيخ حماد رحمه الله الأنصاري قال إن هؤلاء الجماعة لا يريدون العلم ولا يطلبونه. والله ils ne veulent pas العلم. Il y en a, les efforts qu'ils font et les sacrifices pour voyager, aller en Inde, au Pakistan, rester 4 mois, rester 6 mois, il a après, ils le feraient pour العلم. Alhamdulillah, ils auraient progressé dans leur dîn et ils auraient fait progresser les autres. Lakin, la yuhibbuna al-ilm. Ils suivent al-hawa, c'est devenu une passion. Comme Ba'adunnaz, leur passion c'est le sport, ou c'est ma'adri, chacun, iyadan billah, ba'aduhum buduliya bi ba'ad al-umur, ha'oula b'tulu, leur passion c'est devenu al-khuruj. Et c'est devenu l'ignorance. Ils se sont habitués à voyager, à manger, il a akhiré. Il n'arrive plus à comprendre et il refuse la vérité. وهؤلاء كذلك يعتمدون على بعض الكتب ولا ينظرون في غيرها. Ils ont pris certains livres comme référence et ils ne regardent pas autre part. Parmi ces livres, كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. هذا الكتاب c'est un كتاب جميل ولله الحمد. On a des douros ensemble dans l'explication de Hadha al-Kitab avec Sharh Shaykh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi, fihi fawaid kathira. C'est min anfas al-kutub. Lakin awwalan haoula yurakkizun wa yaqra'un abwab al-fada'il. Ils lisent pas tout le kitab. Daiman ils lisent les mêmes chapitres sur comment manger, les bienfaits du les mérites de Kada, ou comment se comporter avec les voisins. Moi, ils ont choisi certains chapitres, ils les répètent daiman. Hada awwalan. Thaniyan yufassirun hadha al-kitab bil-jahli wal-hawa. Ils expliquent, ils interprètent al-ahadith
qui sont cités dans Riyad Salihin, avec l'ignorance et la hawa. Et wallahi, tastahyi de citer certaines de leurs paroles. Tu ne peux pas citer certaines de leurs paroles tellement qu'ils se sont égarés et ils se sont écartés de la vérité. Le deuxième livre, Hayat al-Sahab, est la vie des compagnons, radiyallahu anhum, les Muhammad Yusuf ibn Muhammad Ilyas, est le fils du fondateur, Muhammad Yusuf. قال الشيخ حمود رحمه الله وهو مملو بالخرافات والقصص المكذوبة والأحاديث الموضوعة والضعيفة وهو من كتب الشر والضلال والفتنة هكذا أئمة السنة الشيخ حمود رحمه الله مجاهد من المجاهدين à cette époque il a réfuté beaucoup d'égarés et beaucoup de sectes ولله الحمد فقال عن هذا الكتاب c'est un livre qui comporte ماذا des خرافات des histoires fantastiques des rêves كذلك des أحاديث موضوعة Hadith da'ifa, des hadith, c'est des mensonges. Et même s'il y a certaines choses sahiha, avec tout le mal qu'il y a, ça reste un livre d'égaré, ayyadun billah. Et un livre qui peut pousser à l'égarement. Et kadalik la naghtar biman zakka hadha al-kitab. Celui qui parle en bien de ce kitab, imma il connaît pas le livre, imma il fait partie de ha'oula. Wa illa al-haqq al-wadih, c'est que c'est un livre qui propage Iyadan Billah l'égarement. Le troisième livre qui était Tablir Inisab, les Mohamed Zakaria, Al-Khan Dahlawi, il fait partie kadalik de leur Mashaïr. Et ce livre, ils ont changé le titre. Akhiran, ils l'ont appelé Fada'il al-A'mal. Et ça, c'est Min Makrihim. La'alla, Ba'dinnas, ils ont compris que ce mouvement At-Tablir Fihimavi, ils ont changé le titre Fada'il al-A'mal. قال الشيخ حمود رحمه الله وفيه من الشركيات والبدع والخرافات والأحاديث الموضوعة والضعيفة شيء كثير. كذلك ce livre, il est rempli d'innovations, d'histoires infondées, des rêves, des hadith faibles, etc. وأصلا القوم ما هم حول العلم أبدا. اعتمادهم الأساسي c'est الرؤى والقصص المكذوبة. Ça, c'est leur référence. Les histoires fantastiques. Et كذلك, les rêves. وراجع كتاب القول البليغ للشيخ حمود رحمه الله. Il a cité des قصص عجيبة. On ne peut pas en citer par manque de temps. Et كذلك, ce qui nous intéresse أكثر هنا, c'est de réfuter leur fondement. وإلا, les histoires qu'ils racontent في الدعوة, فتستحي. والله, tu as honte de les rapporter. لماذا لأن سمونتر سخافة عقولهم وجهلهم بدين الله عز وجل. Là, ben, on peut citer une histoire qui montre la gravité de l'ignorance et ça les a poussés à quoi. Cheikh Hamoud رحمه الله تعالى ذكر قصة dans القول البليغ نقلا عن الأستاذ سيف الرحمن الدهلوي. نعم qui est origine d'Inde et qui connaît très très bien ce groupe dans son livre Nadratun Abira qu'on a déjà cité, c'est une référence. قال وإن من غريب مضار الجهل ما حدث بالهند وباكستان. Ce qui s'est passé en Inde au Pakistan à cause de l'ignorance de هؤلاء حيث رأوا في المنام أنهم ذبحوا أو يذبحون بعض أولادهم. Ils ont vu en rêve certains d'entre eux أنهم ils égorgeaient leurs garçons, leurs enfants. Ru'ya, shaytani. Shaytan, il leur a fait croire hein, dans leur rêve. Anahum yadbahoun, anahum, ils sacrifient leurs enfants, leurs garçons. Qala dhannu anna hadha ilhaman wa amran wa ibtila'an lahum min Allah. Ils ont pensé que c'était comme ce qui était arrivé à Ismaïl, alayhi salatu wassalam. Plutôt à Ibrahim. Quand il a vu qu'il devait sacrifier son fils Ismaïl, alayhim as-salatu wassalam. Et c'était une épreuve pour Ibrahim. Et Allah subhanahu wa ta'ala farraja anhum. Et Ibrahim, il n'a pas sacrifié son fils. Il a arrêté l'histoire, elle est connue. Haoula, ils ont pensé qu'ils étaient éprouvés. Et ils devaient faire cette chose. Qala faqamu. Wa anjazu ma umiru bihi fi za'mihim. فذبحوا أبناءهم من أصلابهم كما يذبح الكبش مطرحا وهو ينظر. Quand ils se sont réveillés le matin, ils ont pensé que c'était une épreuve pour eux et ils ont mis en application. عياذا بالله.
Ils ont égorgé leurs garçons. Ah, là, ça s'est passé en Inde et au Pakistan. C'est quoi la cause de Hada? Al-Jahl. Ils ont pensé que ce rêve, c'était une source pour mettre en application une chose. Et Hada, c'est min a'zami dhalal. Le musulman, il ne se passe pas sur les rêves pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Là, le rêve, si c'est une bonne chose, ça peut être min al-mubashirat. Ça peut être une bonne annonce pour toi. Tu avais un rêve, une bonne chose, alhamdoulilah. Si c'est une mauvaise chose, ne le raconte pas. C'est un cauchemar, min al-shaytan. Et ça s'arrête là. Et adore Allah subhanahu wa ta'ala en suivant le Coran. Ils ont été injustes envers eux-mêmes et ils ont été injustes envers ses enfants et rendront des comptes. On est toujours dans le troisième point, al-ilm, et on a détaillé qalilan par rapport à la science. Et kadhalik al-dhikr, et al-ulama, ils ont cité al-ha'ula, ils suivent as-sufiyya fi hadha al-bab. Ils ont des adhkar muhdatha. Ils font des invocations en groupe. Ils doivent dire 1000 fois telle chose, 300 fois telle chose. Il n'y a aucune source. C'est des bid'ah et c'est de l'égarement. Celui qui veut al-mazid min hada, il lit le chapitre consacré à dhikr dans le Qawl al-Balir de Sheikh Hamoud, rahimahullah. As-sifatu al-rabi'a, ikramu al-muslimin. Le fait d'être généreux, d'être bon envers les muslimin. قال الشيخ حمود رحمه الله في القول البليغ نقلا عن الأستاذ سيف الرحمن أنه قال ومما يعرف عن هؤلاء أنهم يتواضعون ويتظاهرون بالتواضع فوق العادة سكيكون عن التبليغ أنهم إذن التواضع أي فون أباغيتر دو لا موديستي فوق العادة أنهم يسفخص قال ولكن تواضعهم هذا ليس إلا تصنعا حتى في هذا كثير منهم سدي مونتور ربما يدتس الإنسان إلى آخره يفو أباغيت هذا التواضع قال فإنهم يسرون لهم ومعهم فقط ويرون السيادة الدينية لهم أما هم إذن عقيدة أن لا vérité avec leur مشايخ et celui qui ne les suit pas c'est un égaré هذا معتقدهم أما هذا التواضع ست فوس مودستي فلا تغتر بها قال وهذا الشيء قد تأصل في قرارة أنفسهم ولذا يبتعدون ويبعدون الناس عن كل مصلح ومخلص c'est pour ça que يحاربون أهل الحق tu trouves un tablighi ربما il a quelques semaines معهم quand il voit un frère de la sunna qui veut lui montrer la vérité va directement il s'écarte et il mettra en garde أين التواضع أين إكرام المسلم tu veux du bien pour ton frère musulman et tu es modeste Écoute et accepte هذا الحق. Ça nous montre أن هذا الإكرام c'est entre eux. Si t'es avec eux, نعم. Si t'es contre eux, أبدا. وذكر الشيخ حمود رحمه الله dans son livre القول البليغ قصة عجيبة في هذا. أنهم ils ont frappé un frère. L'histoire elle est connue. قصة فاروق حنيف. أنه quand il a refusé de les suivre. Anahu, il les a rencontrés dans un masjid. Et malgré Anahu, il devait rencontrer certains frères qui venaient du Khourouj, qui connaissaient. Ils étaient sortis au Danemark. Et quand ils sont revenus, Fahad al-Akh Farouk, il les a attendus au masjid. Ils ont parlé, ils ont mangé. Il a après. Thumma, quand ils lui ont proposé al Khourouj et qu'est-ce qu'ils pensent du Khourouj et quand il leur a montré qu'ils n'étaient pas d'accord, Fadharabou. ضربوا بالشدة اللون بلسي إلى آخره أين الإكرام والتواضع؟ Ça c'est une image qui est complètement fausse que بعض الناس ils ont أن التبليغيين ils ont un bon comportement ils sont doux là c'est par rapport au patient celui qui est doux il est doux avec le jami' celui qui est bon il est bon pas qu'avec ceux qui suivent sa secte عيدًا بالله أصلا le musulman il suit pas une secte il suit الحق et il veut le bien pour les autres لا يؤمن وحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نحن on veut le bien pour هؤلاء. C'est pour ça que ولله الحمد أهل السنة ils ne les frappent pas. لا أبدا ils leur montrent le حق et eux ils le refusent. أو كثير منهم. وقال الشيخ العلامة محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله في السراج المنير قولهم إكرام المسلمين صحيحة لو أنهم يطبقونها. Et ça c'est valable pour toutes les sévères. هذا سان كلام جميل. Le fait de dire إكرام المسلمين, être bon envers les croyants, هذا سطيب. لكن كما قال لو أنهم يطبقونها.
C'est seulement ils mettent en application. قال ولكن لا يطبقونها إلا مع من يفعل بدعتهم وهي السياحة ومن تنزه عنها من المسلمين يبغضونه أشد البغض. هم ils appliquent هذا الإكرام entre eux. Si tu acceptes le khourouj, c'est pour ça que si tu acceptes le khourouj, même si tu es mauvais, même si tu es un égaré, même si tu les contredis dans beaucoup de choses, si tu acceptes le khourouj et tu sors avec eux, ils t'accepteront. ويكرمونك. Si tu refuses, فَوَلَوْ تَمِنْ أَصْلَحَ النَّاسِ وَأَعْلَمَ النَّاسِ. Même si tu as du ilm, même si tu appliques sunna ila akhri, tu fais des efforts qu'eux ne font pas, ils te rejetteront et ils te détesteront. فَلِيَادَ جَمَعَ التَّبْلِيغِ. C'est un huzb, c'est sectaire, c'est contre la vérité. As-sifa al-khamisa, l'avant-dernière sifa, tasrih al-niyya wa ikhlasiha. وهذا كذلك سأمر مهم لو حققوه s'ils auraient mis en application هذا فإصلاح النية. Comment on fait pour réformer notre نية؟ بالعناية بالعقيدة الصحيحة كذلك بالطلب بالعلم. هكذا si tu veux corriger ta نية tu dois faire des efforts dans la science, apprendre ta عقيدة, apprendre ta وحيد, faire des efforts في العبادة etc. هؤلاء يحاربون العقيدة, ils mettent en garde contre العقيدة الصحيحة. يحاربون العلم, ils mettent en garde contre العلم et contre أهل العلم. Ils acceptent pas la science. فكيف إصلاح النية؟ النية هم c'est par rapport à la جماعة, par rapport à leur جماعة فقط, pas par rapport à la vérité. وكذلك تقدم معنا أن قصد كثير من هؤلاء ستعيدا بالله التقرب إلى القبور. Et on a cité des histoires de leurs mashayikh, leurs guides et tout ce qu'ils font auprès des tombes et l'exagération qu'ils ont envers les tombes. Enfin, est-ce que هذا c'est من إصلاح النية؟ هذا c'est من أشد ما يفسد النية. La chose la plus grave qui fait du mal à l'intention, c'est l'exagération envers les tombes et الشرك بالله عز وجل. كذلك إصلاح النية لا يكفي. Le fait de réformer son intention, ça suffit pas. لماذا؟ لأن العبادة لا تصح إلا بالنية الخالصة لله عز وجل. إنما الأعمال بالنية. Et كذلك suivre النبي عليه الصلاة والسلام. فأين متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. Le fait de suivre السنة, de suivre ses compagnons. أين هذا؟ هذا الأصل إلى واضح. Le sixième et le dernier, الخروج في سبيل الله. قال الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله في السراج المنير, إن السياحة هي الركن الأساسي عند التبليغيين. Ce fondement, le dernier, c'est la base de leur secte, de leur groupe. Al-rukn al-asasi, c'est le fondement principal. C'est pour ça que même si wahid il fait du shirk billah azza wa jal, comme c'est le cas de certains soufis qui sont avec eux, et c'est le cas kadalik dans leur marquez, on a des tombes qui sont au milieu du marquez principal à New Delhi, la capitale de l'Inde, tant que tu fais le khuruj, t'es leur frère. قال الشيخ رحمه الله فمن قبلها السياحة. C'est le fait de voyager. مثلا parmi les traductions du tourisme الآن en arabe, السياحة. فهم c'est un voyage qu'ils font. قال فمن قبلها واشتغل بها أحبوه وأكرموه وغفروا له ذنوبه وتقصيره. Celui qui accepte هذا الخروج, ils le rapprocheront, ils l'aimeront, ils seront bons avec lui, le pardonneront ses fautes, etc. قال ومن خالفهم فيها لم يقبلوا منه شيئا. Celui qui refuse هذا الخروج, il n'accepte rien de lui. Même si tu es un musulman, صالح, un croyant, ils n'accepteront pas de toi. قال وإن كان مؤديا لجميع الواجبات إلى آخره. فهذا الخروج أولا إلى محدث. فأصبح عندهم في الحقيقة c'est devenu une chose qu'ils aiment par passion. فلهذا قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى كما في فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق, الواقع أنهم مبتدعة محرفون إلى آخره كما تقدم. وقال وخروجهم ليس في سبيل الله ولكنه في سبيل إلياس. الخروج il est pas في سبيل الله. Même si certains ignorants parmi eux qui connaissent pas véritablement ce groupe et les suivent avec ignorance et ils sont sincères, فهؤلاء on demande à Allah subhanahu wa ta'ala
qui les guide et Aoula, en général, ils acceptent la da'wa quand elle leur parle bien. Lakin, al-mut'assiba minhum war-ru'us al-khuruj ila fi sabil Ilyas. Tout ce qu'ils font, c'est par rapport à la secte, c'est par rapport au fondateur. Qala, walakinahu fi sabil Ilyas intaha. Hada al-khuruj kadhalik, il est muhdath bi hadhihi al-kayfiyya. Et la façon qu'ils font ce khuruj, le fait de sortir fi sabilillah, comme a dit le cheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, الخروج في سبيل الله ليس هو الخروج الذي يعنونه الآن. الخروج في سبيل الله هو الخروج للغزو. C'est pour ça que هؤلاء الجهال, ils ont compris des versets qu'il y a dans le Coran al-Karim في الخروج. أي الخروج في سبيل الله, أي pour الجهاد, pour combattre au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr si les conditions elles sont remplies, etc. Ils ont compris de tous ces versets الخروج qu'ils font eux. Toutes les innovations qu'ils font quand ils font al-khuruj. قال حفظه الله تعالى أما ما يسمونه الآن بالخروج فهذا بدعة لم يرد عن السلف. خاصة أن هذا الخروج قيدوه. انتهى كلام شيخ الفوزان. أما هذا الخروج كيف هم قيدوه. أي ils l'ont précisé dans le temps, dans certains endroits, d'une certaine façon qu'ils font. Là, je sais que c'est min al-bid'a. مثلا sortir 3 jours ou sortir 40 jours. فهذا من اين؟ Si الدعوه il y a besoin de plus de 3 jours, لماذا limiter à 3 jours؟ S'il y a besoin moins de 3 jours, فلماذا limiter à 3 jours؟ Ça c'est من البدع. كذلك ان dans le خروج يمكنون للجهال انهم laissent parler des ignorants ou ils emmènent des ignorants avec eux pour faire le خروج. والله ان بعضهم ils étaient dans la rue et ils faisaient des ma'asi, min sharb khumour, ils buvaient de l'alcool, il a akhri, beaucoup de choses. Ils sont rentrés avec eux. Et quand ils sont rentrés, c'était des ignorants, mais sakin. Ça reste des croyants, lakin c'est des ignorants. Ils les ont emmenés avec eux al-khuruj au bout de 2-3 jours. Thumma, cet homme qui ne connaît rien à son din, al-miskin, et qui veut le bien. لماذا لأن هؤلاء sont ignorants لكن يقدمونهم ils les poussent à faire da'wa et à se lever au masjid et à montrer ربما à des personnes ça fait 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans qu'ils vont au masjid هل هذا c'est من الحكمة أبدا لكن ça montre quoi هذا ça montre que si t'es avec eux ils vont vite t'élever t'es contre eux tu n'auras pas beaucoup de بل tu n'auras aucun poids عندهم. قال الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله il a montré certaines mafasid de هذا الخروج et les méfaits de ce خروج le fait de sortir 3 jours 40 jours dans telle ville dans tel pays قال اولا تضيع العيال والوالدين والازواج واهدار حقوقهم ça c'est même mafasid هذا الخروج بعضهم ils sortent 6 mois ils vont en Inde ils vont en Pakistan ils laissent femmes enfants parents qui ont certains besoins et ils les laissent au nom du tawakkul ala Allah. Et ils leur font beaucoup de mal. Faliyada, les épouses de Haoula, les enfants de Haoula, les parents de Haoula, kathir minhum, ils se plaignent. Et c'est très difficile pour eux, les mal, à cause de l'ignorance de Haoula. Kadhalik, est-ce que tu as fait da'wa à tes parents? Est-ce que tu as montré à ton épouse? Est-ce que tu as montré à tes enfants, à tes voisins, à ta famille? Tous ceux-là, ils ont accepté à da'wa pour que tu te déplaces jusqu'en Inde ou au Pakistan ou au Madrid. Ça, c'est min al-dhalal al-mubin. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé par da'wa à Mecca. Thumma, quand il a fait l'hijra al-Madina, al-Madina, thumma, petit à petit, hatta da'wa s'est propagé. Kadhalik, leur da'wa, c'est pas un da'wa ila tawhid comme taqaddam, là. C'est un da'wa pour les suivre eux. Si tu les suis, t'es bien. Si tu les suis pas, t'es mauvais. Kadhalik, Cheikh Taqiddin, il a cité من الأضرار تعطيل تجارة التجار وبعضهم peut-être qu'il a un commerce peut-être qu'il travaille il délaisse tout ça pour faire هذا الخروج هذا c'est pas من الحكمة أبدا أبدا ils auraient fait ces sacrifices pour العلم الحمد لله ils auraient délaissé ces choses et bien sûr même pour العلم t'as pas le droit de délaisser tes parents ou enfants s'ils ont besoin de toi أبدا لكن مثلا comme le travail إلى آخره ils l'auraient délaissé لله pour apprendre ça aurait été une bonne chose, lakin al-qawm, ils suivent al-hawa. Kadhalik, dans le khuruj, ils ont des bida' ajib. Min bida'ihim, quand ils font le khuruj, maintenant ils sortent un groupe de 10,
ils laissent toujours au masjid. Il y en a quand ils arrivent dans une ville, ils ont comme base le masjid. Ils dorment dans le masjid, ils mangent dans le masjid, ils posent leurs affaires. Enfin, ils se rassemblent et ils font ce qu'ils appellent al-mushawara. Et ils décident qui c'est qui va faire le khourouj, maintenant dans tel quartier, dans telle rue. Et ils choisissent maintenant 8 parmi eux et ils laissent 2 ou 3 dans le masjid. Les 2 ou 3 dans le masjid, ils doivent faire du dhikr sans s'arrêter. Falihada, c'est comparable à un moteur. C'est comparable à un moteur qui est source d'énergie et qui va leur donner à eux cette énergie. C'est pour ça que si ça se passe mal, en général, ils disent ça, c'est les frères qui faisaient du dhikr qui sont restés au masjid, ils se sont arrêtés, ils étaient pas sincères, il a tout ça, c'est min al-bid'a. Tu fais da'wah, c'est l'illah. Azza wa Jalla, celui qui guide, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà mis en place ces choses? Fa na'oudou billah min al-jahl. Fil haqiqa al-khuruj, le détailler, montrer les méfaits, il a akhiré, ça demanderait une kalima. Lakin, ce qu'on a cité au Nabi Ikhtisar, insha'Allah ta'ala, yakoun kafiyan. On termine avec al-shubah wal-rab alayha. Ils ont certaines choubahs, ceux qui défendent cette jama'a, jama'at al-tablir. Parmi les choubahs, yakouloun, anna hadhihi al-jama'a, qad naf'a Allahu bihim. Fa kam min al-nas, aslamu, combien de gens ils ont accepté la vérité, et ils sont rentrés dans l'islam, et ils sont revenus au masjid, ils ont délaissé certains péchés, et la cause c'était ce groupe. La réponse c'est, anna al-ghaya la tubarrir al-wasila, inda ahli al-iman. On est des croyants, on n'a pas comme principe la fin justifie les moyens. Abadan. Même si certains, ils sont rentrés vers l'islam, ou ils sont revenus au masjid, enfin, ça c'est bifadlillahi azza wa jal. Amma ha'oula, ça reste des mubtadi'a. Hada awalan. Thaniyan, Cheikhul Islam, le Taymiyya, rahimahullah, il a un kalam jamil fi hada, raddan ala man za'ama anna al-rifa'iyya ad-dullal, c'est un groupe à son époque, ils étaient à la cause d'avoir guidé les gens. Exactement la même choubha qu'on entend aujourd'hui. فقال رحمه الله حالهم قبل تتويبكم خير من حالهم بعد تتويبكم أي le حال de هؤلاء العصاة qui ont suivi الرفاعية à l'époque de Cheikh l'Islam et à notre époque tu trouves maintenant certains musulmans c'est des croyants c'est des musulmans lakin ils font certains péchés certains jeunes maintenant ils boivent ils sortent ils akhiré فالإمام ابن تيمية رحمه الله il a montré la حال الفاسق. Ce croyant qui est un fasiq, qui fait ses péchés, sa situation elle est meilleure que elle est meilleure avant qu'il suit un groupe égaré. كيف هذا؟ قال رحمه الله فإنهم كانوا فساقا يعتقدون تحريم ما هم عليه ويرجون رحمة الله فجعلتهم بتتويبكم ضالين مشركين. صحيح أن البعض c'était des فساق لكن ils reconnaissaient que telle chose c'est haram, ils donnaient de Il donnait de l'importance maintenant aux frères qui suivent la sunna, il respectait, il a arrêté. Quand il rentre avec un groupe égaré, khalas. Rompama, ils combattent la vérité, Rompama, ils détestent ceux qui propagent la vérité. Pourquoi? Les anna al-bid'a, c'est plus grave que le ma'siyah. L'innovation, c'est plus grave que le péché. Qala Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa nuthbit anna hadhihi al-bid'a allati hum 'alayha sharrun min al-ma'asi. Il a conclu anna cette bid'a qu'ils ont fini par suivre, c'est plus grave que les péchés qu'ils ont délaissés. Enfin, c'est pas la solution. Enfin, comme Minanas, c'était des croyants et ils avaient des manquements, des faiblesses, mais ils avaient du bien en eux. Ils sont rentrés avec Jama'at Tablir, c'est devenu des ennemis de la sunna et de ceux qui suivent la sunna. Hadi shubha, elle est marfouda, elle est rejetée, elle est pas acceptable. La deuxième shubha, anna ba'd ahl al-ilm wal-fadl, Zakou Jama'at al-Tablir. Certains savants, ils ont parlé en bien de Jama'at al-Tablir. Ils citent comme exemple Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim. Amma, Cheikh Ibn Baz et Kadalik son Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim, ils sont revenus. Ils ont délaissé leurs premières paroles. Au départ, ils ont parlé en bien d'eux. Limada, il ne faut pas oublier, à leur époque, ce groupe, il venait d'apparaître. Khas, Satan en Arabie Saoudite. Il commençait à se propager dans les pays musulmans. Et au nom de faire da'wah, enfin, certains savants, ils ont dit, alhamdulillah, s'ils font da'wah, enfin, c'est des gens de bien. Lakin lamma tabayyana lahum, anna, c'est un groupe qui est fondé sur as-sawfiyya, at-tasawwuf, wa al-bid'a wa al-khurafat wa al-shirk, fa ha'oula, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, wa qabla Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim,
Il faisait partie de Immat al-Tawhid à notre époque. Faraddou alayhim. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il a montré anna Jama'at al-Tabligh, il faisait partie des 72 groupes égarés. Amma Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, on peut citer sa parole, qala anhum wallahi, ana ra'yi ya akhi, anna Jama'at al-Tabligh nas tayyibin, wa nas latifin. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, qala anna Jama'at al-Tabligh, c'est des personnes qui sont bonnes, qui sont, ils ont de la douceur. ثم قال لكن بس منهجهم ما هو طيب لأنهم هم ما يحرصون على العلم. الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى دي montré أن leur منهج il est pas bon. لماذا؟ لأنهم ils veulent pas apprendre. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله هنا فرق entre les personnes et le منهج. Donc pourquoi dire que الشيخ ابن عثيمين يزكيهم؟ Au départ, نعم, il les a zakis, ثم كذلك, il est revenu. Et même son qawl, rahimahullah, annahum, c'est des personnes douces, il a akhir, et taqaddam ma'ana, annahum, ils font apparaître hada. Falihada, le sheikh, rahimahullah, il a vu d'eux une certaine douceur, du calme, de la sérénité, il a akhir, lakin d'autres, ils ont vu l'inverse, comme on a expliqué. Qala, thumma sa'il, qala, alladhi yunkir alayhim, et celui qui met en garde contre eux. Qala, sheikh, abadan alladhi yunkir alayhim insha Allah ala as-sawab, celui qui montre qu'il les réfute, qui montre leurs égarements, il a raison. Naam. Et walaw qaddar anna un cheikh, un savant, il a parlé en bien d'eux, parce que ceux qui ont montré leurs égarements avec ad-dalil, on doit revenir à al-hujja. Matalan ba'dhum yipropage qawl Abi Bakr al-Jazairi rahimahullah annahum c'est comme قال annahum khayr ahl al-ard. هذا صان كلام إلي مرفوض والشيخ النجمي رحمة الله عليه رد عليه بكلام قوي وكذلك واقع الجماعة شاهد أنهم منحرفون ضالون tout ce qu'on vient de citer الآن du fondateur jusqu'au suiveur qu'est-ce qu'on en fait نعم فقول القائل إلي accepté si c'est الحق أما من زكاهم كائنا من كان si la réalité c'est l'inverse on n'accepte pas son qawl. فالحق il est واضح والتمسك به واجب et التقليد c'est haram. هذا ما يتعلق بهذه الجماعة qui était fondée sur الخرافة et qui propage le jahl. Et كذلك ils ont du ta'assoub, ils ont un très mauvais comportement quand on leur montre leurs égarements. On doit mettre en garde contre ce groupe et on rappelle walillahi alhamd à notre époque هذه الجماعة أنا plus beaucoup d'impact dans certains endroits وإلا فدعوتهم ماتت ولله الحمد leur دعوة a disparu dans beaucoup d'endroits. Ils avaient un achat كبير on répète au début des années 90 jusqu'aux années 2000 ثم ولله الحمد à notre époque ils ont plus beaucoup d'impact كما تقدم لكن on a détaillé Qalilan, les fondements de ce groupe, les Mahada, pour compléter bien sûr notre série sur les sectes en islam. Et Kadalik, ils ont encore certains messages, ils font encore le khourouj dans certains endroits, et certains croyants, ils pensent encore que Ha'oula, ils sont à la haq, fal-wajib, c'est de montrer leurs égarements, moi, wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq wa sadad. Et demain, al-itnain, il n'y a pas cours, on reprend nos durous, à partir de mardi, la même heure. L'explication de Taqrib al-Tadmouriya de Cheikh Ibn Uthaymeen et كذلك l'explication de Riyad al-Salihin toujours de Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah naktafi bihada walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.